Au cours des dernières années, le Maroc a connu des changements et des développements remarquables. De nombreux projets ont été lancés et une grande attention a été portée à l'infrastructure et à l'investissement sur différents secteurs, que ce soit sur le niveau central ou sur les 12 régions du pays. La région de Beni Mellal Kenifra n'a pas fait d'exception et a marqué un saut qualificatif. Les fruits de l'investissement dans la richesse de la région ont progressivement commencé à émerger, et ce, sur différents niveaux, dans l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. L'aspect lié à la science, à la connaissance et à la recherche scientifique a été l'un des plans mis en place pour réaliser un développement local, régional et national. Dans ce contexte, de nouvelles facultés ont connu le jour et ont été reliées à l'université Sultan Moulay Slimane. Parmi eux, la faculté polydisciplinaire, créée en 2004 et qui compte plus de 10 000 étudiants. Pour l'université Sultan Moulay Slimane, il est constitué normalement de 4 établissements. La faculté des sciences et techniques, une faculté polydisciplinaire, et une faculté de lettres et une école supérieure de technologie. Donc actuellement, on est presque à 30 000 étudiants. Donc pour la faculté polydisciplinaire, il contient environ 10 000 étudiants. La faculté polydisciplinaire a travaillé sur le bon développement de la formation proposée et a fait en sorte de suivre le rythme du développement que connaît le monde, de sorte que de nombreuses filières et spécialités ont été créées, que ce soit dans le cadre d'une formation fondamentale, professionnelle, continue ou même la formation à distance. On trouve pas mal de filières, hein, les filières de sciences exactes, comme les sciences, les SMP, sciences de la matière physique, SEG, c'est sciences de l'économie et de gestion, droit, sciences maths appliquées, ce qu'on appelle SMA, SVI, hein, tout ce qui concerne la biologie. Donc c'est un établissement pluridisciplinaire. Pratiquement toutes les matières, on les dispense. Et comme je viens de le dire, comme son nom l'indique, c'est une faculté pluridisciplinaire. Depuis sa fondation, l'AFP Beni Mellal a organisé plusieurs événements, séminaires et conférences, locaux, nationaux et internationaux, sur différents sujets constituant un intérêt pour l'opinion publique nationale et internationale. Pour les événements, l'établissement a organisé avec l'université presque une centaine des événements. Donc, parmi eux, le plus intéressant, c'est le premier forum international sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Ils participent massivement à ces événements et ils participent aussi aux différents clubs. Le club de secourisme, des clubs normalement de foot, basket, pas mal d'activités, les jeux de strange, la photographie. Hein, on peut voir ici une photo. Donc nos étudiants, ils ont gagné normalement, ils ont pu avoir le premier prix national de la photo, de la photographie. La faculté polydisciplinaire cherche à promouvoir la recherche scientifique. Comme à chaque année, elle s'intéresse à divers sujets, et en particulier les sujets de nature scientifique, par exemple la biotechnologie.
Alors la biotechnologie, c'est la fusion entre la biologie et la technologie. C'est un ensemble des méthodes, des techniques et des pratiques qui utilisent les agents biologiques pour produire des biens ou des services. Alors ces biotechnologies sont largement utilisées dans les différents domaines, entre autres dans le domaine de l'agriculture, c'est pour la production des biofertilisants. Dans le domaine de l'environnement, c'est le cas du traitement des déchets et le traitement des eaux usées. Et dans le domaine microbiologique, c'est le cas de la production des antibiotiques. La FP Benimellel organise une rencontre scientifique importante qui ajoutera de la valeur à la vie de Benimellel et à la faculté en particulier. La première des choses qui tire notre attention, que nous sommes à Benimellel, ou la région Benimellel-Khonifra, sur un château d'eau. Il est connu par ce nom-là. Benimellel, c'est le château d'eau. Donc, le château d'eau, c'est l'agriculture, c'est la végétation. Donc, c'est pour cela que l'équipe, le laboratoire de biologie, a essayé d'organiser cet événement pour valoriser tout ce qui est agro dans la région. Le congrès sera une grande occasion pour nous, les chercheurs marocains, d'une manière générale, et les chercheurs de l'université Sultane Moulay Slimane en particulier, de présenter nos travaux de recherche d'une part, d'autre part, de tisser des relations de coopération et de collaboration avec les différents chercheurs du monde qui seront avec nous durant 6 jours. Les efforts constamment déployés par le comité d'organisation des événements de la faculté enchantent les professeurs. À cette occasion, je tiendrai à remercier professeur Hamamouche, le président du comité d'organisation. Je remercie tous les membres du comité d'organisation et scientifiques pour les efforts immenses qui ont été déployés. En continuant sur cette voie, l'Université Moulay Slimane promet bien des compétences et verra certainement son nom grimper en vitesse dans l'échelon universitaire international.